1, 2, 3, 4. Bonjour à tous, enfin surtout donc bonjour mes chères sœurs de la Visitation et à vous tous qui nous écoutez sur Radio Espérance comme chaque premier jeudi du mois et ceux qui nous suivaient par internet via les réseaux sociaux. Voilà, nous espérons que jeudi prochain ou le couvre-feu, ça sera à 23h, que la chapelle sera pleine dès jeudi prochain. Et nous sommes le premier jeudi du mois de juin, mois du Sacré-Cœur, et nous nous préparons donc à cette fête de la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement. Et comme chaque mois, à Paray-le-Monial, il y a ces rencontres de Paray-le-Monial, tous les premiers week-ends du mois. Et donc nous commençons ce soir, et puis il y aura demain, et samedi, et le bouquet final dimanche pour la fête Dieu avec une procession que nous pourrons faire à Paray-le-Monial par groupe de 10. Alors ensemble ce soir, m'était demandé de faire une petite intervention avant l'heure sainte sur la place de l'Eucharistie dans la vie de Marguerite Marie et dans les trois grandes apparitions. Alors c'est en 25 minutes, on ira à l'essentiel. Il faudrait prendre 3 heures ou 3 jours pour cela. Et puis il y a le recteur qui est plus compétent que moi, mais il m'a demandé tout simplement de faire cette introduction de 25 minutes pour nous introduire à cette heure sainte et nous introduire à cette fête Dieu et à cette fête du Saint-Sacrement aussi. Et à cette fête du cœur de Jésus, puisque nous sommes aujourd'hui le premier jour de la neuvaine du cœur de Jésus. Alors invoquons l'Esprit Saint pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs et que je puisse être l'instrument de Dieu, le porte-voix de sa parole. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Vierge Marie, toi qui as aussi guidé Marguerite Marie, et qui est la mère de l'Église, toi Marie qui as porté Jésus, la Visitation à Élisabeth, l'Esprit Saint, Vierge Marie, eh bien, ouvre notre cœur au message de ton Fils Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous propose de commencer par Marguerite Marie, la place de l'Eucharistie dans la vie de Marguerite Marie. Alors, donc, comme je vous le dis, je découvre, je suis chapelain que depuis 8 mois, je découvre aussi avec joie, redécouvre avec joie. Et dans la vie de Marguerite Marie, jusqu'à son entrée donc ici à la Visitation de Paris le Monial, j'ai noté trois éléments essentiels dans la vie de Marguerite Marie. Son amour de l'Eucharistie. 4 moments de sa vie. Le premier moment de sa vie, c'est à l'âge de 5 ans. Alors je regarde les sœurs qui, comme ça, ils peuvent m'approuver. Et donc je vais prendre en fait à chaque fois à partir de Claude la Colombière a demandé à Marguerite Marie d'écrire sa vie. Et donc il y a ce récit, et donc je ferai constamment référence à ce récit. Alors donc moi j'ai la page 24, où elle part de son vœu de 5 ans, où, je vais la citer, c'est plus simple. Donc elle comprend dès l'âge de 5 ans aussitôt la laideur du péché, qui en imprima tant d'horreur dans mon cœur que la moindre tâche m'était un tourment insupportable. Et sans savoir ce que je disais, je sentais continuellement pressé de dire ces paroles. Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de ma perpétuelle chasteté. Donc, dès l'âge de 5 ans, c'est assez impressionnant. C'est pour ça que c'est important de faire le catéchisme aux enfants le plus tôt possible. Pour dire ça à 5 ans, c'est qu'elle était quand même bénie dans la foi, par ses parents. Et voilà, je l'ai dit, donc elle répète ça constamment, elle ne sait pas. Et je l'ai dit une fois entre les deux élévations de la Sainte Messe. Vous voyez, donc elle fait ce vœu de consacrer à Dieu ma pureté, et ce vœu de perpétuelle chasteté, au cœur de l'Eucharistie, au cœur de l'élévation, entre la consécration du pain et la consécration du vin. C'est extraordinaire. Et c'est surtout extraordinaire que c'est qu'à 5 ans, elle se rappelle de cela. Et donc, on voit bien comment l'Eucharistie est au cœur de sa vie et au cœur de sa vocation. Et donc, elle fait ça, alors ce vœu dans la chapelle, la messe, donc c'est au chapelle de château de Corcheval, c'était dans sa marraine, chez sa marraine. Donc, ça veut dire quand même sa marraine, et donc c'est là aussi très important, que le rôle des parrains et marraines, et c'est pour ça que j'invite aussi pour l'année prochaine, week-end filleule parrain et marraine, vous voyez comment la marraine a bien éduqué sa filleule, en l'habituant sûrement à aller dans sa chapelle du château, faire une visite au Saint-Sacrement très tôt. Voilà, premier aspect de sa vie, Marguerite Marie, 5 ans. Ensuite, on passe à l'âge de 9 ans. À 9 ans, elle fait sa première communion chez les Clarisses, à Charolles. Parce que son père était mort, elle va être éduquée là-bas chez les religieuses. Donc là aussi, l'importance de l'éducation religieuse. Et en fait, elle raconte sa première communion. Là, ce n'était pas une grande extase. Alors, je la cite c'est page 25-26. On me mit dans une maison religieuse et on me fit communier que j'avais environ 9 ans. C'est quand même tôt à l'époque, parce que Bernadette, c'était 11, 12 ans, enfin 13 ans, enfin, c'était à l'époque, communier tôt, c'est quand même, c'était assez rare. Et cette communion répandit tant d'amertume pour moi. Voilà. Cette communion, elle ne commence pas par une communion de joie, super, c'est Jésus, l'amour de Jésus, non. Tant d'amertume pour moi, sur tous les petits plaisirs et divertissements que je n'en pouvais plus goûter aucun. Dire ça à 9 ans.
C'est quand même là aussi montrer une maturité spirituelle. Hein. Et donc, en fait, vous voyez, elle ne parle pas de la... Mais elle dit, bon, je pense interpréter comme ça, cette joie de Dieu quand même, et après tout le reste, ce n'est pas important. Et tous les plaisirs, divertissements, ça ne m'intéresse pas, quoi. Voilà, donc je pense quand même qu'elle avait vraiment une joie de recevoir le Seigneur. Elle ne l'exprime pas là, mais en tout cas, elle voit une distance entre recevoir le Christ et puis tout le reste de la vie. Et puis quand même, après cette communion, elle va dire l'importance du silence et de rester caché. De rester caché, donc là aussi, le silence caché, ça prépare bien l'adoration, voyez. C'est d'être avec le Seigneur, et quand on est avec le Seigneur, voilà, rien de plus important. Ensuite, troisième passage, alors là, c'est, je veux dire, après 15 ans, entre 15 ans et 24 ans, quand elle rentre ici, au monastère, elle ne met pas à cet âge, mais... Bon, donc elle guérit, elle a une maladie, bon, on ne peut pas raconter toute sa vie, hein, on se limite au lien avec l'Eucharistie, et en fait, elle ne peut pas aller régulièrement à la messe, hein, parce que la famille la maltraite et l'empêche de prier, d'aller à la messe, et même le dimanche, et donc elle doit, voilà, et donc elle redécouvre en fait l'importance de la prière, de l'oraison, et de prier. Donc elle allait descendait de la ferme de la grande réalité, il y avait un rocher, et là elle regardait l'église et elle faisait oraison devant cette église en pensant: Jésus, tu es présent au Saint-Sacrement, j'aimerais bien l'église donc de Vérovre, hein, c'est ça, de Vérovre, qui est à 30 km, une demi-heure de Paris-Monial. Et donc voilà, donc elle faisait oraison devant l'église, en sachant que l'Eucharistie était présent, le tabernacle était dans l'église. Hein. Et ça, c'est, je vous recommande de faire cela souvent. Hein. Dès que vous voyez une église, même en voiture, ça, Seigneur Jésus, c'est une église, je pense à toi, mais je pense à toi présent dans le tabernacle. Hein. Pour être la présence de Dieu dans nos vies. Et donc, elle parle de l'amour du Saint-Sacrement, page 35-36. Néanmoins, sa bonté me tenait si fort qu'il me dégoûta des prières vocales. Bon, elle aimait beaucoup le chapelet, mais à un moment donné, elle n'arrivait plus à dire le chapelet, hein, le rosaire, voilà. Où je me sentais tellement tout appliqué que je m'y ennuyais. Mais par contre, voilà, elle dit, voilà. Qu'elle me dégoûta de faire les prières vocales, lesquelles je ne pouvais faire devant le Saint-Sacrement, où je me sentais tellement tout appliqué que jamais je m'y ennuyais. Donc elle ne pouvait plus dire le chapelet devant le Saint-Sacrement, c'était le silence. C'était le silence et d'être avec Jésus, là, cœur à cœur, comme le paysan du curé d'Ars. Il m'avise, je l'avise et il m'avise, je le regarde, il me regarde, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de parole, de contemplation. Et donc elle dit, j'y aurais passé des jours et des nuits entières sans boire ni manger et sans savoir ce que je faisais, sinon de me consumer en sa présence comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. Voilà, chers frères et sœurs auditeurs, voyez, la prière, l'oraison, l'adoration, c'est pas dire des grands mots, des grandes phrases, c'est de se laisser consumer en sa présence. Hein, je redis cette phrase parce que tout est dit dans cette phrase-là, sur l'oraison, l'adoration, même l'adoration. Me consumer en sa présence comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. Voilà. La prière, l'oraison, c'est un échange d'amour. C'est d'abord l'amour du Seigneur. Et moi, je réponds à son amour par sa présence. Voilà pour... Alors, bien sûr, c'est pour, je veux dire, jusqu'à son entrée au Carmel, après, il y a la visitation. Après, il y a bien sûr... je ne fais limiter que son amour de l'Eucharistie qui va être... En fait, elle rentre à la visitation parce que
elle veut adorer le Seigneur. Elle veut prier devant le tabernacle jour et nuit, et il y a quatre religieux. Voilà. Donc elle va arriver ici à 24 ans, et puis très tôt, 2-3 ans après, donc elle va voir le Seigneur va lui parler au cœur, et on dit qu'elle a eu à peu près une trentaine d'apparitions du Christ ressuscité avec la Vierge Marie, la Trinité Sainte. Bon, mais il y a eu ici dans cette chapelle 3 grandes apparitions. Il me reste 13 minutes pour en parler, donc ça va être, on va aller à l'essentiel. L'essentiel, vous savez, ces 3 grandes apparitions, elle aurait pu se faire dans sa chambre, comme Sœur Faustine. Il y a des apparitions très importantes du tableau de la Miséricorde, ça se fait non pas dans la chapelle, mais dans la chambre de Sœur Faustine. Là, eh bien, ces 3 grandes apparitions avec les 3 paroles, enfin les 3 tweets de Jésus, enfin c'est plus que des tweets, c'est quand même un message un peu plus de Jésus, un peu plus long, se fait dans cette chapelle devant le Saint-Sacrement. Donc ça c'est essentiel. Et les premières choses que je dis aux pèlerins, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Quand il y a une apparition, c'est pour nous réveiller, c'est pour nous dire quelque chose d'important. Eh bien, c'est le primat de l'Eucharistie, que tout est dans l'Eucharistie. Et que l'Eucharistie, c'est la porte d'entrée du cœur de Dieu, en fait. Et même l'Eucharistie, c'est le cœur de Dieu. Et en fait, c'est ça que Jésus va révéler à Marguerite Marie, pour toute l'Église, que l'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus. Et donc, il va s'y prendre par 3 apparitions, pour justement, pour approfondir, révéler, voilà ça. Donc, première grande apparition qui se fait le 27 décembre 1673. C'est la fête de la Saint-Jean. Très important. Donc, oui, rien n'est au détail, rien n'est... Tous les détails sont importants, c'est pas du hasard. Saint-Jean, le premier qui a reposé sous la poitrine de Jésus, le Jeudi Saint. Donc le Jeudi Saint, c'est aussi très important, et qui était présent à la croix de Jésus, qui a vu le côté transpercé. C'est lui qui parle du cœur. Donc là aussi, donc Jésus confirme Saint Jean. Saint Jean, c'est la porte du cœur de Jésus, et c'est le premier apôtre du cœur de Jésus. Alors je vous lis. Le mieux, c'est d'écouter ce que dit Marguerite Marie, page 81 de cette première grande apparition dans cette chapelle. Une fois donc, devant le Saint-Sacrement, me trouvant tout investi dans cette divine présence, mais si fortement que je m'oubliais de moi-même, du lieu où j'étais, je m'abandonnais à cet divin esprit, livrant mon cœur à la force de son amour. Il me fit reposer fort longtemps sur sa poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et le secret inexplicable de son Sacré-Cœur. Et voilà ce que dit Jésus donc dans le Saint-Sacrement. Elle voit, alors je ne sais pas comment on pourrait représenter ça, le Saint-Sacrement, et dans le Saint-Sacrement, ce rayon de soleil de l'Eucharistie, eh bien c'est Jésus qui parle, qu'elle voit Jésus ressuscité. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen » et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. Et puis ensuite, je ne peux pas commenter, parce que le temps ne permet pas, voilà, mais tout est dit, vous lisez ça. Vous voyez, quand Jésus dit ça dans le Saint-Sacrement, c'est que, vous voyez, Jésus, c'est pour ça que c'est beau, vous voyez, nous fêtons dans 3 jours la fête de Dieu. Nous commençons aujourd'hui la fête, la neuvaine du Saint-Sacrement. Parce que c'est le Saint-Sacrement nous mène au cœur de Dieu. C'est la suite, c'est le prolongement. Et Jésus vient, et on va voir que les suivantes apparitions vont être en lien avec l'octave du Saint-Sacrement. Ici, à Paray le Monial, Jésus développe la grandeur de l'Eucharistie, de l'amour. C'est bien ce cœur, donc l'Eucharistie, on pourrait dire, je remplace mon cœur eucharistique, vous voyez, est si passionné d'amour. Je veux dire, je suis passionné d'amour que je vous donne l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie, c'est-à-dire c'est ça, c'est peut-être la troisième apparition. Alors, comme je passe tout de suite à la deuxième apparition,
qui a lieu 7 mois, 8 mois plus tard, donc un premier vendredi du mois de juin 1674. Voilà, premier vendredi du mois 1674. Écoutons ce que dit Marguerite Marie de cette deuxième apparition. Et une fois, entre les autres, que le Saint-Sacrement était exposé, toujours pareil, hein, après m'être senti retiré tout au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire de tous mes sens et puissances, Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi, tout éclatant de soleil, avec ses cinq plaies brillantes, comme cinq étoiles, comme cinq soleils, pardon. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise et s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur qui était la vive source de ses flammes. Bon, alors c'est la fresque de Paray-le-Monial que je pense que beaucoup connaissent. Hein, ceux qui ont internet, vous pouvez voir la fresque qui est là, qui est représentée. Ceux qui me suivent par Radio Espérance, vous venez à Paray-le-Monial le plus tôt possible. Si vous ne connaissez pas, dès la semaine prochaine, ou pour les fêtes du Sacré-Cœur, on vous attend. Et vous viendrez contempler cette fresque. Voilà. Alors après, Jésus demande, vous voyez, en lien avec les... Là, dans cette deuxième apparition, je lis, c'est le lien simplement avec l'Eucharistie. Il demande trois demandes. La première demande, vous voyez, c'est important, c'est la communion fréquente. La communion fréquente, parce que c'est ça qui est fou. Hein. À l'époque, comme à l'époque de Sainte-Thérèse, on ne pouvait pas communier tous les jours, même pas chaque dimanche. Enfin, on communiait assez rarement. C'est assez fou. Et donc Jésus dit à Marguerite Marie, communie le plus souvent possible tout ce que, et en obéissant. Hein, dit, premièrement, voilà, c'est ce que dit. Donc Jésus dit, je serai ta force, hein, me dit-il, ne crains rien, sois attentive à ma voix. Premièrement, tu me recevras dans le Saint-Sacrement autant que l'obéissance te le voudra permettre. Voilà. Ensuite, après, Jésus demande, tu communieras de plus tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc la communion eucharistique, premier vendredi de chaque mois. Et pour aussi, voilà. Et puis une troisième chose, c'est l'heure sainte. Mais je n'ai pas le temps d'en parler, puisqu'il ne me reste plus que quelques minutes, pour la troisième apparition qui développe le plus le Saint-Sacrement, l'Eucharistie. Donc je passe à la troisième apparition, qui a lieu un an plus tard. Vous voyez, c'est ça qui est beau là. Dieu se révèle petit à petit, progressivement, pour qu'on puisse... Ça aussi, ça fait partie de la pédagogie divine. Donc, et là, Marguerite Marie ne dit pas le jour. Là, elle dit, c'est pendant l'octave du Saint-Sacrement. Alors ça, chers auditeurs, chers frères et sœurs, avant Concile, après la fête du Saint-Sacrement, eh bien, il y avait 8 jours. Hein. 8 jours, comme vous avez l'octave de Pâques, hein, on fête Pâques et on fête Pâques pendant 8 jours. Il y a Noël. Maintenant, dans la liturgie aujourd'hui, Vatican II, il n'y a plus que 2 octaves, l'octave de Noël et l'octave de Pâques. Mais avant, il y avait l'octave du Saint-Sacrement. Et là, c'est très important, parce que si Jésus fait cela pendant l'octave, et si aussi Marguerite Marie ne se souvient plus la date, parce qu'elle aurait pu dire c'est le premier jour, deuxième jour, troisième jour, l'octave, non, c'est... En fait, pour noter que toute l'octave est importante. Et puis, donc, et pour montrer, voilà, le lien entre l'Eucharistie, le Sacré-Cœur, et en fait, Jésus, voilà, va demander, ben déjà dans cette quatrième apparition, qu'à la fin de cette octave, il y ait la fête du Sacré-Cœur, que nous allons fêter dans 9 jours. Donc vous voyez le lien intime entre le Sacré-Cœur et l'Eucharistie, c'est quelque chose d'indissociable, c'est le déploiement de l'Eucharistie, et le sens de l'Eucharistie, et qui est le sacrement de l'amour, qui est le cœur de Jésus. Alors je vous lis, et c'est assez clair, ce sera le mot de la fin, le mot de Jésus sur cette grande apparition, dernière grande apparition. Voilà, donc c'est Jésus qui parle, toujours pareil, devant le Saint-Sacrement, elle vient de la chapelle, le Saint-Sacrement est là, elle éblouit, et Jésus lui apparaît et dit, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné,
jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par leur froideur et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés et qui en usent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi, d'après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets ainsi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Bon, là c'est un petit peu. Voilà, chers frères et sœurs, devant une telle parole de Jésus, foyer d'amour, mais cette plainte qui n'est pas respectée, aimée, hein, cette que reconnaissance, ingratitude, irrévérence, sacrilège, froideur. Vous voyez, Jésus insiste, hein, donc ce sont des mots forts. Hein, le mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, nous allons demander sa grâce de nous émerveiller de ce sacrement d'amour de l'Eucharistie. C'est Mère Teresa, je dis toujours, presque toujours souvent la messe, en commençant la messe par ça. Mère Teresa disait au prêtre, célèbre la messe comme si c'était ta première messe, comme si c'était ta dernière messe, comme si c'était l'unique messe. Eh bien, vous, chers auditeurs, recevez l'Eucharistie comme si c'était la première fois que vous recevez l'Eucharistie, comme si c'était la dernière fois, c'était l'unique fois que vous recevez Jésus présent dans le Saint-Sacrement qui nous ouvre son cœur, qui nous donne son cœur. Cette chapelle des apparitions, pour ceux qui ont la crainte de leur sainte, qui nous ont pu recevoir sur la lettre des amis du Sacré-Cœur ou sur le site du sanctuaire. Donc, pour cette trame et la trame pour la fête du Sacré-Cœur que nous célébrerons demain, enfin dans une semaine, pardon. Et ce soir, comme nous sommes en train de préparer la fête du Saint-Sacrement, nous prendrons en plus de la méditation de l'Évangile selon Saint-Luc. Nous prendrons des chants autour du Saint-Sacrement. Nous accueillons le Seigneur.
Seigneur Jésus, tu es présent dans cette Eucharistie. Page 400 dans les carnets des vivants. En ce mois du Sacré-Cœur, nous voulons méditer avec un extrait de l'admirable lecture du texte Saint Bonaventure, XIIIe siècle, ce texte qui est proposé par l'Office des lectures pour la solennité du Sacré-Cœur. Le titre de ce texte est « L'arbre de vie » et le sous-titre est une citation d'un psaume « En toi est la source de vie ». Voilà donc comment Saint Bonaventure médite. Considère attentivement, toi qui as été racheté, quel est celui qui pour toi est suspendu à la croix? Quelle est sa grandeur? Quelle est sa sainteté? Lui dont la mort rend la vie à ceux qui sont morts, lui dont le trépas met en deuil le ciel et la terre.
et fait se briser les pierres les plus dures, pour que du côté du Christ endormi sur la croix surgisse l'Église, et pour que soit accomplie la parole de l'Écriture, ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. La sagesse divine a bien voulu que la lance d'un soldat ouvre et transperce ce côté. Il en sortit du sang et de l'eau. Et c'était le prix de notre salut qui s'écoulait ainsi. Jaillit de sa source, c'est-à-dire du plus profond du cœur du Christ, il donne au sacrement de l'Église le pouvoir de conférer la vie de la grâce, et à ceux qui ont déjà en eux la vie du Christ, il donne à boire de cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Oh.
Arrivé en ce lieu, il leur dit : Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait. Dieu a tenté le monde. Dieu a tenté le monde.
Jésus priait en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. »
Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Thank you.
Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Page 416, 1 du Christ. Thank you.
Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. »
Tandis qu'il parlait encore, voici une foule. Et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Mais Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Dans ces dernières minutes de notre sainte, ces dernières minutes, contre ce baiser de Judas, nous voulons lancer vers le Seigneur le baiser de notre gratitude. Et à travers ce chant, faire mémoire de ces Eucharisties, laisser l'Esprit Saint nous rappeler les Eucharisties que nous avons reçues le Seigneur et le remercier pour toutes les fois où nous avons pu le recevoir. Que depuis le rocher où nous sommes, nous aussi, notre tour, notre chambre, notre maison, et surtout notre cœur vers cette chapelle où Jésus est exposé, où il est présent dans le tabernacle, et lui dit notre gratitude. Page 405. Recevez le corps du Christ. Le corps est saint, qui nous pense.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au Saint Sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Béni soit sa Sainte et Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Ascension. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur,
Donnez-nous de saints prêtres, de saintes vocations religieuses. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Seigneur, donnez-nous des familles selon votre cœur. Seigneur, donnez-nous des familles selon votre cœur. Vive Jésus. J'aime Jésus qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Vive Jésus. J'aime Jésus qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Nous tournons vers la Vierge. Salve Regina. Madre miséricordia. Sainte Marguerite Marie et Saint Claude la Colombière, priez-nous. Saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Je vous donne juste quelques informations. Demain, nous nous retrouvons à 8h30 pour la louange, qui ne sera pas à Saint-Jean, mais dans les salles de l'abri, car les rencontres sont ouvertes, en journée en tout cas. Donc voilà, il y aura tout le programme des rencontres. Vous retrouverez quelques enseignements, vous avez les horaires annoncés. Et puis, nous aurons la prière des malades ici, à Paray-le-Monial à 18h, il n'y aura pas de veillée. Et par contre, à partir de la semaine prochaine, nous fêterons le Sacré-Cœur. Et puisque le couvre-feu sera à 23h, nous pourrons vivre à partir de la semaine prochaine les heures saintes ensemble. Donc ceux qui seront à Paray-le-Monial, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, même ponctuellement, pour venir vous reposer sur le cœur de Jésus, aussi en journée, mais aussi en soirée. Voilà, belle semaine à tous et à demain pour ceux qui vivront la retraite avec nous.